Hosanna à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Les cieux sont remplis de sa gloire.
plus fort encore pour dire à ce Dieu, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Les anges les chantent, les hommes aussi les chantent. Les cieux les proclament, la terre aussi les proclame. Hosanna. Alléluia. Hey. Hey, 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 hey. Le pouvoir.
Saint-Esprit est là. Hey. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Hey. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Oh, sa main nous touche. 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 Son esprit est là. Son esprit est là. Samarico Yebo La présence est là. Ta main me touche, me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta présence est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche, ta main me touche, ta présence là, ta présence là, ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche. Avec moi, ô Seigneur, à haute voix, ô Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore. Encore une fois, ô Seigneur, Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore.
comme autrefois. Car tu es le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Oh mon Seigneur. Fais-le encore. Comme autrefois. Car tu es le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Acclamons le Seigneur un instant. Alléluia. Alléluia. Gardez le cap, gardez le cap. Retenez cette déclaration ce matin. Nos aptitudes ne peuvent pas nous élever à une haute altitude. Nos aptitudes ne peuvent jamais nous élever à une haute altitude. Seule l'œuvre vivifiante du Saint-Esprit peut nous élever plus haut. Waouh, que je reprenne. Nos aptitudes, on y va ensemble? Ou mes aptitudes ne peuvent pas m'élever à une haute altitude. Seule l'œuvre vivifiante du Saint-Esprit peut m'élever plus haut. Amen. Ce matin, frères et sœurs, on pouvait arrêter là, mais nous ne voulons pas que nous soyons dans l'ignorance concernant le Saint-Esprit. Quoi qu'il peut agir d'une façon ou d'une autre, ça dépend de la personne. Les autres, il agit calmement. Les autres, il vient nous toucher aussi selon notre tempérament. Mais il ne faut pas être troublé quand il y a l'action du Saint-Esprit et à côté du frère ou de la sœur, ne les jugez pas et ne commettez pas l'erreur d'attribuer au diable ce qui est à Dieu et à Dieu ce qui est au diable. Nous parlons brièvement, selon les textes que nous avons médités, de l'intercession ce matin. Le texte de base se retrouve dans Actes 19. On avait déjà lu ce matin. Prenez ces quelques textes, s'il vous plaît, et nous allons toucher quelques points qui peuvent nous orienter dans ce que nous partageons ce matin, pour que nous ayons une compréhension nette. Le Saint-Esprit est Dieu. Qui peut expliquer Dieu? Qui peut enseigner Dieu? Personne. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part, enseigne-nous ce que nous devons lui dire à cause de l'ignorance qui est en nous. Enseigne-nous. Enseigne-moi ce que je peux lui dire à cause de l'ignorance qui est en moi. Actes des Apôtres 19, le verset 1er jusqu'au verset 7e. Jean 16, le texte, Jean 16, le verset 5 à 11, et les psaumes 77, 77, le verset 10e, dans certaines versions, vous trouverez au verset 11e. Commencez d'abord par Actes des Apôtres, ce sont des textes de base. Vous avez commencé par les psaumes. Texte de base, c'est Actes des Apôtres, 19, le verset, voilà. La lecture a été déjà faite, mais l'histoire qui se retrouve dans ces textes, c'est l'histoire de Paul, que nous connaissons tous, qui s'appelait Saul de Tarse. Un jour, il allait
pour aller persécuter l'Église. Et il va faire une rencontre. Et cette rencontre va bouleverser sa vie. Cette rencontre va mettre dans l'ordre, comme nous avons appris le vendredi, l'ordre là, il y avait le désordre. Paul qui pensait servir Dieu, mais qui était devenu assassin en servant Dieu. Lorsque Paul, Saul de Tarse, qui est appelé Paul, va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas, il y a eu un tournant dans sa vie. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, frères et sœurs, il y a toujours un tournant dans notre vie. Un tournant, c'est-à-dire, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. La même personne. Et même nos amis peuvent devenir nos ennemis. Et ceux qui se servaient de nous peuvent, alors qu'ils ont perdu le service comme Pharaon avait déclaré ces jours-là pour les enfants d'Israël, qu'avons-nous fait en laissant partir les enfants d'Israël parce que nous avons perdu leur service? Frères et sœurs, des fois l'ennemi perd notre service. Le monde perd notre service pour que notre service soit pour la gloire de celui qui nous a créés, qui ne se serve pas de nous, mais qui nous prend comme des fils et des filles pour être l'expression de sa personne sur la terre. Et c'est même Saul, quand il a rencontré le Seigneur, lui le docteur, il était au pied du docteur Gamaliel. Sa vie a connu un tournant. Lorsque vous prenez Actes chapitre 9, vous verrez cela. Et le Seigneur va lui dire, oui, le Seigneur va l'envoyer, c'est une personne qui était rien du tout. Un corroyeur, celui qui fabriquait des pots, des chaussures, des sacs. Cet homme-là va dire, Seigneur, nous avons appris que cet homme détruit les gens. Il est dans cette ville pour arrêter et jeter en prison ceux qui croient en toi, mais tu m'envoies vers lui. Le Seigneur lui dit, va vers cet homme. Car c'est mon instrument que j'ai choisi, que j'ai créé pour un but, mais il a manqué ce but depuis longtemps. Maintenant, va vers lui. Il est dans la maison. Ananias va et trouve Saul, et Saul recouvre la vie. Oh Seigneur, fais-le encore. Rencontre quelqu'un ce matin, Seigneur. Rencontre-moi encore une fois ce matin. Vous savez, frères et sœurs, chaque fois que nous nous tenons ici, nous nous retrouvons comme si, ah, Seigneur, qu'est-ce que je peux parler? J'aimerais que des choses commencent par moi. Ça commence par moi. Avant de parler aux autres, que cela commence par moi. Oh Seigneur, fais-le encore. C'est le cri d'un jeune homme qui a vu le réveil en Angleterre de William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Et il a pensé à lui. Et il était de passage pour aller dans une ville. Et chemin faisant, le cimetière où était enterré William Booth était là. Et il s'est arrêté. Il a ployé ses genoux. Il n'adorait pas un mort. Il ne priait pas un mort.
par rapport à ce qu'il voyait en Angleterre ou à l'époque de William Booth, les bars, les flamingos, les boîtes de nuit, les lieux comme si vous passez ici vers Kimbuta, vous trouvez dans la rue, dans le quartier, partout où nous sommes, on nous rabat les oreilles avec la musique et on interdit les cris à l'église. On interdit qu'à l'église, qu'on ne fasse pas de bruit pour ne pas gêner nos voisins. Et tous ces endroits étaient fermés à l'époque de William Booth parce que le réveil de l'action de l'esprit, frères et sœurs, vient transformer. Ça vient changer l'ordre de choses. Là où il y a le chaos, là où il y a le tohu-bohu, comme à la création où Dieu, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, il y avait un tohu-bohu, un désordre. Et l'esprit était là. Il ne pouvait pas agir. Il n'agissait que en connivence avec la parole. Ce jeune homme a crié, « Oh Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore. » Il a fait le jour de la Pentecôte. Et notre mouvement des assemblées de Dieu est né. En Amérique, ils ont restitué parce qu'ils avaient volé cela aux Africains, aux Noirs. Le réveil qui a pris aujourd'hui jusqu'à toucher l'humanité aujourd'hui, a touché le monde entier. Ces mouvements venaient d'un fils, d'un esclave qui s'appelait William Seymour. Un jeune homme esclave, alors que les Blancs étudiaient la Bible, ils étaient à l'intérieur de la salle à cause du racisme. Lui a pris son tabouret et il était dehors à la fenêtre. Les Blancs étaient ici dedans, ils étudiaient la Bible. Lui était dehors, il a pris son tabouret. Chaque jour, ils ont étudié l'évangile de Jean. Et il continuait. Lui, il n'avait pas droit d'entrer dedans. Un professeur enseignait éloquemment, avec un bon dicton. Il mettait chaque phrase, chaque mot à sa place. Mais ce jeune homme-là, qui a été touché par la varicelle. Et cette varicelle a touché à tel point que il a même été affecté dans son œil. Il est charné dans l'œil. Et il était là. Il ouvrait sa Bible. Et quand ils ont lu le chapitre premier, Jésus était ressuscité. Il a donné les ordres par le Saint-Esprit. Les apôtres lui ont posé la question de savoir, « À quand, Seigneur, le rétablissement du royaume d'Israël ?» Et le Seigneur répondra, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps du rétablissement. » Même ce qui se passe actuellement dans notre pays, ce n'est pas à nous, frères, hein? C'est à Dieu. Certaines choses vont se passer où personne n'aura le contrôle. Waouh! Quelque chose va se passer dans cette nation où personne n'aura le contrôle. Qui ne viendra pas des armes, mais ça viendra par l'action de l'esprit. Et c'est vous, cette personne-là. Amen, amen. Écoute. Vous ne croyez pas que vous pouvez bouleverser comme les autres ont déclaré. Ces hommes et femmes qui ont bouleversé, ils sont venus jusqu'à nous. Ils ont bouleversé avec quoi? Avec les armes? Ils ont bouleversé avec quoi? Avec la violence?
Ils ont bouleversé par la puissance du Saint-Esprit et ils ont bouleversé l'ordre, les désordres qui étaient là, qui paraissaient pour les hommes comme un ordre, a été bouleversé. Et ce jour-là, ce jeune homme qui était là, et là où il était dehors, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et il est tombé par terre. Il a commencé à parler en langue. Et le professeur blanc, il jetait le regard pour voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas dehors? Est-ce que ce n'est pas un dehors? Et on regarde un noir. Un noir? Et quand il parlait avec un anglais parfait. Un anglais parfait. Bénissant Dieu, glorifiant Dieu. Et tous ceux qui venaient, qui étaient le regard, ils retournaient dans la salle baptisée. Ils retournaient dans la salle remplie. Ils retournaient dans la salle baptisée. Ils retournaient et toute la salle était électrocutée par la puissance du Saint-Esprit. Fais-le encore. Fais-le encore. Et ce jour-là, c'est là le mouvement de Azusa Street à Los Angeles, aux États-Unis. C'est ce mouvement qui a fait que les femmes et les hommes, ils ont abandonné. Lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, ceux-là étaient au port. Ils ont pris leurs bagages. Ils ne savaient pas là où aller. Ils ont pris leurs sacs. Ils ont pris leurs bagages avec leurs femmes et les enfants. Et ils étaient au port. Et ils attendaient le bateau qui venait pour aller dans une direction où lui ne savait pas. C'est le mouvement qui a fait l'avenir des missionnaires. Aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils avaient seulement le billet d'aller sans retour. Nous payons nos billets aller-retour. Mais ceux qui allaient baptiser dans le Saint-Esprit pour venir toucher l'Asie, venir ici en Afrique, et vous avez appris, même quelques-uns d'entre eux, ils ont traversé même l'Afrique dans les endroits les plus dangereux. Les autres sont morts. Et si vous pouvez imaginer, même quelques missionnaires sont morts. Ici à Isiro, j'ai été élevé dans une mission où les missionnaires qui sont venus d'Angleterre, il y a encore leur tombe. Dans la mission où j'ai grandi, il y a encore leur tombe. Ils sont là. Ils ne sont pas venus chercher l'or et l'argent. Ils ne sont pas venus chercher les coltans du Congo. Ils n'étaient pas venus chercher les diamants et l'or du Congo. Parce que celui qui est racheté par le sang de Jésus valent plus que l'or et l'argent. Vous valez plus que l'or et l'argent. Votre valeur, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas l'argent, votre valeur, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. Votre valeur, ce n'est pas l'or et l'argent, votre valeur, ce n'est pas une position sociale. Votre valeur, ce n'est pas une position que quelqu'un vous donne. Votre valeur, ce n'est pas la propagande que vous faites au nom de quelqu'un. Faites la propagande de Jésus et Jésus ne vous décevra jamais. Les hommes de ce monde peuvent vous décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Ce sont ces femmes, frères et sœurs, qui sont venues dans cette nation. Si aujourd'hui, il y a encore 100 ans, moi je suis en train de me manquer lorsque il y a bien des frères qui disent, voilà, nous avons encore besoin à que la communauté internationale, que quoi que ce soit intervienne. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est le temps de l'Afrique. Maintenant.
Le temps de l'Afrique, ce n'est pas que nous allons aller, frères et sœurs, avec quoi que ce soit. Nous irons avec la parole, les bivocationnels. Nous irons non pas seulement avec la parole, nous irons aussi avec notre matière grise dans la tête et qui voient ce qu'ils ont semé et que nous allions les bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est là que Paul est arrivé, dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Il est arrivé à Éphèse, et quand il arrive à Éphèse, quelle est la question que Paul pose? Quelle était la question? Éphèse, c'est là où se trouvait le temple d'une déesse qui s'appelait Diane. C'est là, le temple. Et lorsque vous lisez le chapitre 19, vous allez voir ce que le Saint-Esprit a fait. Diane, c'était un simulacre qui est tombé, on ne sait pas. Il y avait des orfèvres qui faisaient des images. Les images n'ont pas commencé aujourd'hui par les catholiques à l'époque. Ce n'était pas à l'époque où les autres ont commencé les images. Les images ont commencé depuis, parce que l'homme cherche toujours une représentation. Pour adorer Dieu, il faudrait vous représenter Dieu. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il arrive dans Actes des Apôtres, chapitre 17, il a dit « La divinité n'est pas de l'or et de l'argent. » Nous sommes, si nous sommes de sa race, la divinité ne peut pas être l'or et l'argent. C'est Dieu. Il y avait un autel où était écrit à Dieu inconnu. Paul a dit, c'est Dieu que vous vénérez sans le connaître. Je suis venu vous annoncer. Et Paul arrive. Il y a eu des disciples qui étaient là. La déesse Diane ravageait le pays, ravageait l'Asie. Et le centre de ces cultes-là était à Éphèse. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'épître de Paul à Éphèse, vous voyez comment il va démontrer. Comment il démontre le plan de Dieu et comment Christ a accompli et comment le Saint-Esprit vient continuer. Et dans l'épître à Éphèse, il développe trois verbes. Être assis, marcher et tenir ferme. Et il arrive, il pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Reçu. Dis avec moi, reçu. Reçu. Le Saint-Esprit, quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint, un Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu. Vous savez, lorsqu'on est en présence des esprits, on va confondre l'esprit. C'est la confusion qui se passe aujourd'hui dans notre ville. Nous voyons pas mal d'actions des esprits. Et nous pensons que c'est ça. Mais ce matin, la première question est la suivante. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Vous pouvez poser la question à votre frère. Pourquoi avez-vous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi? Le point A, le spirituel et le naturel se mettent ensemble.
Cela a commencé par Dieu lui-même. Cela a commencé par Dieu. Lorsque vous lisez Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Après avoir créé toutes choses par la parole, Dieu a créé là dans ses pensées. Et il a déclaré, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à l'image de qui? À l'image de qui? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque vous prenez Jean, le chapitre 4, le verset 24, prenez le micro, pasteur Valérie, quelques textes, vous allez les lire là-bas. Jean 4, verset 24. Donc vous pouvez vous asseoir, pasteur, là-bas, que vous êtes, Élisée. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Nous lisons, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Waouh, Dieu est qui? Waouh, à haute voix, Dieu est qui? Dites à votre frère, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Dieu est qui? Esprit. Amen. Et quand il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, quelle était la pensée de Dieu d'abord? Notre image, notre ressemblance. Le faire, l'homme. L'homme veut dire Adama. Adama, c'est quelque chose qui est sombre. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas minimiser votre couleur noire. Quand la Bible nous dit, Adama, c'est la terre, mais Adama, c'est ce qui est sombre. Amen. Le problème, ce n'est pas dans la couleur de la peau, mais le problème, c'est ce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est qui? On est ensemble jusque-là? On est ensemble jusque-là? Dieu est qui? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il avait là. Dieu avait l'homme en lui, là. C'est-à-dire, quand Dieu parlait, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il ne voyait pas quelqu'un d'autre. Dieu se voyait lui-même. Ah, Ndjambé. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu se voyait lui-même homme. C'est-à-dire avant même qu'il ne touche. C'est pourquoi créer est différent de former. Si vous êtes la couturière, vous ne créez pas, vous transformez. Créer, c'est le mot bara, c'est-à-dire faire sortir quelque chose du néant, qui n'existe pas. Le mot bara. Dieu a créé l'homme là, c'est-à-dire comme lui-même. Dans les psaumes 94, il a dit, celui qui a fait les oreilles, n'entends-tu pas? Celui qui a fait les yeux, ne vois-tu pas? Celui qui a fait les pieds, ne marches-tu pas? Mais Dieu est esprit. Mais il a les pieds.
Dieu a les oreilles pour entendre. Mais la Bible même nous dit que ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Voilà Dieu. Il a un cœur. Il a aussi les sentiments. Amen. L'amour, c'est quoi? Mais lui n'est pas un sentiment. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Lui n'est pas un sentiment. Pour nous, c'est un sentiment. Mais pour lui, il est amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là ensemble? Et lorsque vient, papa vient. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu crée l'homme ici. C'est-à-dire, il voit cet homme. Vous voyez là-bas, derrière? Vous voyez là-bas? Hein? Est-ce que vous êtes en train de me voir? Balancez votre main si vous voyez les frères qui sont devant. Vous les voyez? Ok. Ok, ou bien montez ici. Voilà. Voilà ce que Dieu a fait. Il crée l'homme ici. Lui, esprit. Il a déjà créé ce que l'homme est, Dieu lui-même. Et il vient ici, il prend la poussière, il prépare comme un sculpteur. Et dans ce qu'il avait créé ici lui-même, viens papa. Il vient l'introduire. Aïe, aïe, aïe. Et on est là? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cet homme est créé à l'image de qui? C'est que c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il est esprit, et comme il régnait dans son royaume, il ne pouvait pas se manifester sur la terre. Mais il a voulu se manifester sur la terre parce que lui-même, il va se prendre, lui, Dieu, et il va se placer là pour que l'homme sur la terre agisse comme Dieu. Wow. Merci. Vous pouvez acclamer les frères. C'est là le spirituel vient dans le naturel pour représenter Dieu sur la terre, pour agir, pour dominer, pour assujettir, pour transformer la création ici sur terre. Dieu invisible va être visible par l'homme. Amen. C'est pourquoi il dit dans la Bible, tel il est. Ouh, Seigneur, fais de moi que je sois comme toi. Nous chantons souvent, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est qui? Il est Dieu. Écoutez, il est Dieu comme il nous a fait de Dieu sans que nous ne soyons des créateurs. Voilà la différence. Vous pouvez transformer sa création. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand Dieu a pris, qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Lisez avec moi 1 Thessaloniciens. Voilà les composants de l'homme.
1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il disait. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que vous sanctifie lui-même tout entier. Et le, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être. Tout votre être. Soulignez un, il commence par quoi? L'être, votre être. Votre être. L'esprit. Dis avec moi esprit. L'âme. Dis avec moi l'âme. Et le corps. Et le corps. Combien? Amen. Est-ce que Dieu, vous voyez, la Bible est ordonnée. Hein? Est-ce que là, Dieu a commencé par le corps? Lisez bien la Bible, lisez bien la Bible. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier, ça dit tout votre être. Mais il commence par le corps, amen. Mais il commence par l'esprit, l'âme et le corps. Donnez-nous 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Esprit, c'est ce que nous venons de dire, que Dieu est qui? Esprit. Ce qui nous met en contact avec le monde spirituel, avec Dieu, c'est quoi? Est-ce qu'on est d'accord avec vous? C'est quoi? Papa, c'est quoi? Mais j'ai dit c'est qui? Parce que c'est Dieu. C'est l'esprit. Ce qui nous met en contact aussi avec notre environnement, par nos sens, de la vue, de toucher, de l'ouïe, ces cinq sens, et ce qui fait notre personnalité, c'est l'âme. Amen. Amen. Et qui fait que nous soyons en contact avec les autres. C'est quoi? C'est le corps. Mais ma question est la suivante. Si vous voulez entrer en contact avec Dieu, c'est dans quelle dimension? C'est dans quelle dimension? C'est dans votre esprit. Amen. Amen. Et au ciel, l'homme a l'esprit. Mais au ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour que Dieu soit en contact avec nous sur la terre, nous avons besoin de qui? Du Saint-Esprit. C'est lui qui me met en liaison. Le deuxième point, c'est le Saint-Esprit, c'est lui. Vous savez que lorsque vous n'avez pas la connexion, vous pouvez avoir des crédits. Mais lorsque vous n'avez pas encore, j'aime bien cette image-là, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de crédits. Mais ces crédits-là, il faut entrer, par exemple, dans Vodacom, il faut faire quoi? Étoile, 11, 11, 10, et puis vous allez aller, on dit quoi? Il faut entrer pour que vous puissiez être en connexion avec combien de mégas. Mais ici, nous n'avons pas de mégas. Ici, nous avons plus que les mégas. Plus que les mégas parce que la connexion qui nous place avec Dieu pour que nous puissions découvrir même des frères qui sont à l'étranger, même les autres qui sont dehors. Vous savez que Jésus a dit, si je vous ai parlé des choses du ciel, vous ne comprendrez pas. Il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Si je pouvais vous parler des choses du ciel, vous n'allez pas saisir ça.
qui nous connecte. Je disais le premier point, c'était Dieu qui s'est placé. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Ah, petit A, c'était le spirituel et le naturel, n'est-ce pas? Le mariage, ensemble. Comme Dieu a dit à la femme et l'homme, ils se sont unis ensemble. Ils sont un. C'est-à-dire Dieu, dans l'homme, il est un avec l'homme, par l'Esprit. Petit B, le Saint-Esprit, lien entre Dieu et l'homme. Le naturel ne peut être en contact avec l'Esprit. Lisez avec moi, je ne vais pas vous parler seulement, vous entretenir avec les mots, mais lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu, verset 10e. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélé ces choses par quoi? Par qui? Car? Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Mais on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça. L'Esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire ce qui est dans les conseils de Dieu. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous donne, nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, c'est seulement de ceux-là qui nous disent, je suis en train de voir votre mariage. Ce n'est pas la profondeur de Dieu. Parce que Dieu a déjà dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis en train de voir votre élévation. Dieu n'a que faire avec ça. Parce qu'il a dit l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. C'est l'Éternel qui élève l'un et abaisse l'autre. Est-ce que j'ai besoin de l'élévation? Je suis en train de voir votre voyage. Qu'est-ce que le voyage? Est-ce que c'est ça la profondeur de Dieu? Et les autres disent, Akula, Akula. Une escroquerie spirituelle, vous dites Akula. Soyez vous-même votre propre prophète par l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir, en quittant ici, vous allez troubler certaines choses. Si le Seigneur nous donne son Esprit Saint, frères et sœurs, certaines choses qui se passent dans nos familles, vous allez sourire. Lorsque Dieu vous révèle, c'est comme cet homme qui disait dans les psaumes, la fin des méchants. Il s'est glissé dans son cœur parce que les méchants sont heureux. Ils sont toujours bien. Ils vivent bien. Et ils mangent bien. Rien ne leur tourmente. Et comme rien ne leur tourmente, lui se disait, mais pourquoi j'ai purifié mon cœur? Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi je ne vois pas ceci? Parce qu'il y a cette combinaison que nous confondons toujours entre le matériel et le spirituel. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. C'est le spirituel qui appelle le matériel. Le matériel n'appelle jamais le spirituel. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Pourquoi je me suis converti? Pour voir des choses que je vois aujourd'hui. Si le Seigneur vous ouvrait seulement son rideau là, un peu de lumière, pour voir le sort final des méchants, vous allez pleurer. Vous n'allez même pas jalouser quelqu'un. Vous n'allez pas convoiter quelqu'un. Vous n'allez pas vous comparer avec quelqu'un. Parce que vous êtes unique et vous êtes le seul. Il n'y a aucune personne qui est comme vous.
Dieu vous a envoyé ici sur terre pour un but, pour le représenter sur la terre, pour être son expression sur la terre, pour dominer sur la terre. Dominer, ce n'est pas dominer sur les autres, hein, mais dominer sur les circonstances, dominer sur les événements. Vous pouvez voir, c'est pourquoi vous voyez Jésus, un homme Dieu, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, même dans les vagues, lui dormait et ses disciples s'agitaient. Que celui qui passe des nuits troubles, que vous puissiez dormir à l'aise. Dès ce soir, dès cet après-midi, en rentrant à la maison, vous allez passer une agréable nuit. Amen. Une nuit paisible, un sommeil doux, parce que vous avez confiance qu'il pleuve pour eux et qu'il neige pour eux, qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas. Moi, je m'endors en sécurité parce que le Seigneur est avec. Amen. La dimension qui nous place, qui nous met en contact, le lien, le point de connexion de Dieu et de l'homme, du naturel, de l'humanité avec la divinité, c'est le Saint-Esprit. On est là ensemble? C'est pourquoi Paul, quand il arrive, il pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que ce n'est pas tout. Ils étaient dans une ville, comme nous sommes à Kinshasa, comme nous sommes au Congo, avec ce qui se passe. Vous passez des nuits, il suffit seulement, « Oyokata, on peut ça, c'est brrr, Oyokanissima, ça c'est bête. » Vous pouvez prendre dans votre porte. Vous avez mis des barres de fer, pour que les cambrioleurs ne viennent pas cambriorer. Mes frères et sœurs, ces cambrioleurs, lorsqu'ils décident de venir faire quelque chose, ils le feront. Amen. Mais c'est lui qui peut être votre bannière, qui peut même frapper ceux-là qui peuvent venir. Et le Seigneur peut les frapper d'aveuglement, comme il a frappé les autres jusqu'à aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Des fois, si le Seigneur nous révélait, frères et sœurs, lorsque nous perdons des êtres chers, et que si le Seigneur nous donnait la révélation de ceux qui sont dans l'éternité avec Dieu, même notre façon de voir les choses changera. Nous aurons une consolation dans notre cœur. Que ma femme, mon mari, ma fille ou mon fils qui était ici sur terre était le représentant de Dieu. Il est venu accomplir sa mission. Malheureusement, il y a de ceux-là qui meurent sans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivra. Amen. Enfin, pas enfin, comme c'est fini. Dans le chapitre 5, de Genèse 5, chapitre 5, de Genèse, verset 1 à 3. Genèse 5. Lorsque l'homme a péché, oui, lisez, verset 1, jusqu'au verset 3e, allez jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 5, versets 1 à 5. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance de qui? De Dieu. Ok. Il créa l'homme et la femme. Voilà, il créa l'homme et la femme. Quand Dieu a pensé là, l'homme, la femme était dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous allez entendre la mère de maman, non? C'est pourquoi Dieu, regardez ce que Dieu a fait. Quand Dieu a mis le souffle dans Adam, il a mis le souffle dans qui?
Mais quand il a pris la côte de la femme, il a formé la femme. Il a pris la côte de l'homme pour former la femme. Est-ce que Dieu a mis encore le souffle? C'est un problème. Hein? Dites à quelqu'un. Bakutimi wana ya mwasi aza chana ana. Mwasi aza eloko usumbie na mbongo. Longula yango, longula yango. Loba, loba nandiko no, longula yango. Vous savez, même chez moi, il y avait, vous savez, il y avait des poissons ou la viande que les femmes ne mangeaient pas chez moi. Or, cette viande était la viande que Dieu a créée, que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Mais on interdisait à la femme de manger le njombo. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'à Kinshasa, les femmes mangent les jambons. Tout ce qui peut être une viande qui est tellement succulent. Sylvestre, par exemple. La femme ne mange pas. Non, non, si la femme mange, non, 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 non. Si on te trouve, tu manges ça, l'Iba l'a écouffé. Mais il faut le l'Iba l'a écouffé, écouffaté, mon livre est vendu Katinanga. Le Amen. Oh, je n'entends pas Amen de maman, c'est pourquoi. C'est pourquoi vous avez des difficultés. Mais Amen, mais il y a aussi l'ordre créationnel de Dieu. Dieu a créé l'homme. Et de l'homme est sorti qui? Et la femme a conçu. Et l'homme aussi est sorti de qui? Jésus est sorti de qui? Mais la question est la suivante. On a un Samoninga. C'est pourquoi les mamans qui sont dans la salle, ne créez pas de mouvement qu'on appelle le féminisme, la parité. Vous n'avez pas besoin. Dieu nous a créés tous égaux. Il n'a ni homme ni femme par rapport à l'Esprit de Dieu, ni par rapport au salut. Ne cherchez pas des histoires de parité. Que l'homme soit là ou pas, développe votre mental. Multipliez vos connaissances, vos talents, pour que vous parveniez là où est l'homme. Vous n'avez pas besoin de parlementer sur ça. C'est ça ce qui détruit aujourd'hui. Et le diable a trouvé cette occasion-là pour détruire des familles à cause de ces complexes. Continuez, pasteur. Je vais terminer. Il est béni. Il est béni. Il a fait quoi? Il est créa l'homme et la femme. Il est béni. Il les appela du nom d'homme. Il les appela tous deux du nom de qui? Wow. Lorsqu'ils furent créés. Lorsqu'ils furent créés, Dieu les a appelés tous les deux du nom de qui? Adam, âgé de 130 ans. Non, non, ça va, papa, ça va un peu. Je vais arriver là. Il est créé à l'image de Dieu, homme et femme, et il les appela, tu les bénis. Dis avec moi, il est béni. Et il les appela tous du nom de qui? Mais qui a donné le nom à la femme? Et la femme veut dire porteuse de la vie. Et c'est tout. Et Adam, quand il est tombé dans le péché,
Regarde ce qui va se passer. Continuez, pasteur. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Voilà. Maintenant, Adam, quand il est tombé dans le péché, il va faire les hommes qui sont à sa ressemblance. Et à son... Est-ce que nous avons compris là? Est-ce que nous avons compris? Quand l'homme pêche maintenant, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'atmosphère spirituelle qui était là, qui reliait l'homme à Dieu, c'est l'esprit. La connexion qui reliait l'homme à Dieu, lorsque l'homme a péché, pouf, le Saint-Esprit est parti. Amen. Et l'homme est resté avec son esprit maintenant, qui n'était plus en contact avec qui? Avec Dieu. Mais il est resté quand même avec l'esprit. Mais cet esprit qui n'est plus en contact avec Dieu. C'est pourquoi l'homme cherche Dieu. C'est là où les religions vont naître. C'est là où les images vont naître. C'est là où le diable va proposer aux autres d'entrer dans le monde astral, de voyager. Vous voyagez, mais vous n'allez pas au-delà du ciel. Vous ne pouvez pas atteindre là où Dieu est. C'est un mensonge du diable. Sortez de ces choses. Et la plupart, vous êtes là ce matin. Vous trafiquez avec des sociétés secrètes. Sortez de ces choses. Les livres que vous avez, lorsque vous continuez, la Bible nous dit que ceux qui avaient cru, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils ont brûlé parce qu'ils ont compris que le lien qui pouvait les lier avec Dieu, ce n'est pas des livres magiques, ce n'est pas la magie, ce n'est pas des sociétés secrètes, mais le Saint-Esprit. Quand il est descendu, ils ont pris les livres et ils sont allés vers les apôtres. Voilà les livres. Combien vous dépensez de l'argent pour des livres? Combien il y en a, combien qui dépensent leur argent pour aller dans tel endroit, pour aller consulter, pour aller dans tel endroit, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon travail, qu'est-ce qui se passe dans ma famille, qu'est-ce qui se passe dans notre famille, qu'est-ce qui se passe dans ça, qu'est-ce qui est dans ça. Pourquoi maintenant je n'ai pas la promotion? La promotion ne viendra pas de ces choses, mais la promotion viendra de Dieu lui-même. Frères et sœurs, même si c'est lui qui a la promotion, écoutez la déclaration de Dieu. Dieu a dit ceci. Vous pouvez élever votre nid plus haut que les cimes des montagnes. Je te précipiterai en bas. Maintenant, notre prière est la suivante. Que Dieu précipite. Précipite en bas. Comment il va les précipiter? Il ne va pas les précipiter par « au nom de Jésus, au nom de Jésus, je coupe, je cate, j'entre, je vais prendre. » Ce n'est pas à cause de ça, c'est en contact avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, frères et sœurs, vous serez comme un oiseau, vous serez comme un aigle qui a des ailes. La Bible nous dit qu'on ne peut pas jeter un filet devant un oiseau qui a des ailes. Et le plus haut, que le Seigneur vous bénisse.